petit du sol, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je vous ai pas repris du tout de la semaine, mais je pense que je vais commencer à ouvrir ce vlog. On est mercredi le 4 août, voilà. Je vous mettrai des petites vidéos, je pense, avant cette intro. Mais là, j'ai eu deux petites choses et que j'avais trop envie de partager avec vous. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Voilà. On voit pas. Il fait pas justice à la lumière. Désolée, on a la lumière dégueulasse. Si j'essaye avec ça, c'est pas top non plus. Hop, je vous montre. Attention. Il est trop beau. J'ai piment rouge. Il y a le petit piment. Du coup, c'est hot hot. C'est un tome 1. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Ils viennent les deux livres que je vais vous montrer de chez Belgique Loisirs. Voilà. Excusez-moi. Avec lui, elle risque de prendre goût à l'interdit. Alice ne sait pas ce qui sera passé si Mathieu n'est pas entré dans sa vie ce soir-là. Cet homme infidèle, séduisant, lui est venu en aide en la protégeant. Quoi? Non, c'est parce que monsieur est à côté et du coup je pensais qu'il me parlait. Protégeant d'un hivernal, fais-lui à faire vivre une nuit la plus horrible de l'existence. En croire la façon, donc il la dévore de ses yeux verts et émerveillant. Il partage le même envie sensibilisable. Elle ne connaît rien ni lui de lui, mais c'est incapable de garder ses distances car elle ne peut se passer de ce moment extra. Et surtout, elle veut savoir jusqu'où Mathieu l'emmènera dans le découverte du plaisir. Voilà, c'est hot hot. Il me faisait trop envie. Sauf que cette maison d'édition, on casse toujours le dos. Et ça m'ennuie beaucoup. Et le troisième, c'est un gros pavé. Mais un gros pavé. C'est un intégral. Il fait plus de 1600 pages. J'ai peur de me lancer là-dedans. Pourtant, je me suis lancée dans un 1000 pages. Mais là, 1600, ça me fait vraiment peur. C'est écrit assez petit. Là, je ne vous ai pas montré. Celui-ci, il fait un peu moins de 300 pages. Ouais, 295. C'est écrit comme ceci. Vous voyez, si je tire là, je arrache tout le dos. C'est ça, leur ennuyant chez eux. Celui-ci, par contre, il est tout fluffy. C'est de Laetitia Danal, je crois que c'est comme ça. Je suis désolée si j'écorche son nom. Comme tous les autres noms que j'écorche. La lune. Pour Preutre, regardez ce beau bébé. Regardez ce bébé. Il fait plus de 1600 pages. Il fait exactement. C'est en plus des feuilles à cigarette. 1000. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, 1645 pages. Voilà, 1640 pages. Voilà, 1645 pages. Je n'en reviens pas, je peux vous assurer. C'est l'intégrale. Je crois qu'il y a 3 tomes. C'est 3 ou 2 tomes. Non, c'est 3, je pense. Je crois que je cherche après les tomes. Mais il est vraiment fluffy. Vraiment, ça c'est bien pour savoir lire. Vous voyez, il est vraiment... Le seul truc qui me fait peur, c'est de le tenir en main. Il est lourd. J'ai déjà mal les petits doigts quand je tiens un livre comme ça. Alors, faut pas demander ce gros bébé. Du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture. Parce que je les ai reçus ce matin, en fait. Ils m'ont réveillée, en fait. Enfin, nous a réveillés. Ce truc que je suis un peu triste, il y a une grande cligne dedans. Vous verrez pas, je pense pas. Juste ici, on le sent là. Moi, je fais que la sentir. On la voit pas trop. La sentir, on la sent. Bon. Un jour, on m'a dit que ce pouvoir n'est excellait, qui grandissait en moi, ne pouvait plus être caché pour le bien et pour
l'expérience officielle. Je ne devrais être une inutilité. Tilly, fille d'un paysan, vit en tragédie dans un village reculé, rongé par les superstitions et les cultes. Les divinités, n'oubliez de dissimuler sa vraie nature. Elle reçoit un jour la visite d'un homme très singulier qui prend donc pouvoir le protéger à tout le danger. Malgré tel, Lily, je sais pas, ça va être TH à la fin, Lilithi, je sais pas comment ça s'est dit, va devoir faire face à sa nouvelle responsabilité dans ce monde où elle est considérée comme une icône superstitieuse. Redonne à c'est le nom de la ville, Litambri, sa sponon, attends, le nom de la ville est compliqué à dire. Une aventure extraordinaire à la reconnaissance d'une jeune fille et des désirs singuliers qui devraient partager une enquête de sa véritable nature. A été attitré par l'auteur de ce livre vers l'âge de 10 ans. Et c'est en essayant d'écrire à 4 ans, le fantastique a toujours été une évidence pour elle, un moyen de vivre ses rêves à travers les personnages. Voilà. Il existe en petit tome, hein, si vous voulez. Voilà. C'est de la même. Vous le cherchez. Il est trop beau. Voilà, je l'avais envie de le prendre. Je sais pas quand je vais lire ça, mais il me donne très envie. C'est déjà ça. Voilà. Et c'est écrit assez petit. Voilà. Les feuilles, c'est très très fin. Je sais pas si vous entendez, c'est très très fin. Voilà. Voilà. Et pour le moment, je suis toujours dans mon bouquin. Je n'ai pas changé. Je n'arrive pas à avancer, je ne lis pas beaucoup. Je suis à 253 pages. Ouais, je vais dire 300 parce que je vais lire là 300 pages. Je vais lire un petit peu, du coup, je souhaite un peu plus aujourd'hui. Mais je n'avance pas beaucoup. Je pense que je suis plus ou moins à la moitié du bouquin. Voilà, j'aimerais bien continuer ça parce que ce week-end, je ne vais pas encore beaucoup lire, je pense. Mais là, je vais vous laisser et bouquiner ce petit romance, voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Je sais même pas s'ils sont à l'endroit. Non, ils sont à l'envers. Petite boucle d'oreilles Stitch. Là, j'ai mis les deux. Puis on voit pas bien. Je ne sais même pas s'il est à l'endroit celui-là. Enfin, soit j'ai mis mes petites boucles d'oreilles Stitch. Du coup, je vais aller continuer ça. Voilà. Il faudra que je finisse de préparer mes affaires. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai plus tard. Peut-être pas demain, parce que demain, j'ai plein de choses à faire. Ou peut-être en soirée. Voilà, je ne sais pas. Je verrai bien de mon humeur. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt dans ce vlog. Voilà. J'espère que tout vous plaira. On essaye de faire un peu plus de contenu que les autres, les deux ou trois derniers que j'ai fait, parce que voilà, il n'y avait pas grand chose. C'était pas top. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse. De toute façon, vous aurez vu normalement un petit peu. J'étais j'étais chez Cultura. Voilà, j'ai passé chez Cultura et je n'ai rien acheté. Du coup, vous allez voir quelques images avant ça. Voilà, si je n'oublie pas de les mettre, ou je les mettrai après, je sais pas, on verra bien quand je ferai le montage. Logiquement, ce sera avant la base, voilà, parce que c'est ça que j'ai été en premier, voilà. Sur ce, je vous laisse, et je vous reprends plus tard. Je vous fais des bisous.
Bonjour mes petits du soleil, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans le vlog que j'avais ouvert il y a un moment. Je ne sais plus quand je l'ai ouvert. Voilà, mais j'ai été quelques jours en vacances. Oh, j'ai une tête pas possible. Voilà, je viens de revenir hier soir. Hier, j'ai récupéré tous mes bébés. Voilà, on est le 9 août. Lundi, le 9 août, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai eus. Pendant les petites vacances, voilà. Je vais d'abord vous montrer par les DSP, Diamond Painting. Voilà. Du coup, je me suis procuré celui-là. Il est trop beau. Voilà. Ça, c'est mes achats. Je vous montrerai après. Je vous dirai pourquoi. Ça, c'est mes petits achats Pokémon. Ça, c'est pour monsieur. On va mettre là. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Les 101 Damasien, il est trop beau aussi celui-là. Voilà. Et après j'en ai deux autres qui est pas pour qui n'est pas à moi. Je crois que j'ai ma tâche de chocolat. Qui n'est pas à moi, mais je vais les faire pour mes amis. Du coup, celui-là, je ne sais pas si vous allez voir vraiment. C'est un maléfique comme ceci. Je sais pas si on voit vraiment bien. Voilà. Et alors, je vais faire pour la petite Sophie un. Ladybug et chat noir, voilà. On va faire ça pour ces deux enfants là. Enfin, deux enfants, non, un grand et un petit. Je me suis procuré aussi ceci. Je n'ai pas encore essayé. Je vais tester ça. C'est un rasoir. J'ai juste ouvert pour regarder. On voit bien, il n'est pas bien mis dans sa boîte. Il ressemble à ça, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà. Je l'ai trouvé chez Cruduvat, voilà, à 12,99 à la place de 24,21 €. Je vais dire 13 € quoi, voilà. Ça se rase les jambes, les aisselles, le maillot et les jambes. Voilà, je me dis pourquoi pas tester ça. C'est à l'électrique, c'est pas de pile. Voilà, du coup, pourquoi pas. Après, chez Cruvat aussi, je me suis au même prix, 12,99, mais c'est 13, parce qu'ils arrondissent maintenant. Là, pareil pour les points noirs. Voilà. Voilà. Tout le monde le vend très cher. Ici, il était à 12,99. Je me dis, on va tester ça pour ce prix. Voilà. Après. Le plus gros truc que j'ai pris. Il est trop beau. Voilà. Du coup, je vais essayer de le sortir quand même de sa boîte. Si je sais. Voilà, je l'ai. Là. Voilà, j'ai déjà plié la boîte, ça m'emmerde. Hop, voilà. Hop. Ça va être autre chose de le retirer. Comme il est gros. Et en plus, le fond, il est beau. Je fais beaucoup de bruit, je suis désolée. Regardez le fond. Il est trop beau, le fond. Il est trop, trop, trop beau. Quand on a de la place pour le mettre. Oh, je pensais pas que c'était aussi lourd. Là, je pensais que comme celui-là que vous voyez à moitié, sa tête est vite, il n'est pas lourd, mais lui il est très très lourd. Plus, oh, plus lourd. Ouh, j'ai peur de le faire tomber. Voici, voilà. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop mimi. Voilà. 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 Je le remets comme ça là. Oh, ouais, je voulais voir. Je fais plus de bruit. Je voulais parler d'autre chose, mais je ne l'ai pas. C'est pas grave. On va continuer. J'ai commandé Mirol. Voilà. Qui va partir là maintenant en lecture commune avec un groupe que je vais. Enfin, ils ont commencé. Il faut que je lise 100 pages aujourd'hui. Voilà. Il est midi. J'espère que j'arriverai à lire les 100 pages. Voilà. À torse-poil. Mais je venais l'acheter sur Amazon. L'avoir, mais ça m'embête. Hop, voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est juste que j'avais envie de faire la LC avec eux.
Je sais bien que c'est un truc qui va me plaire parce que je l'avais déjà mis dans mes favoris. J'avais lu le résumé il y a un moment. Mais là, j'ai plus envie de le lire du coup. Voilà. Après, j'ai un autre colis que j'ai pas ouvert, mais je sais c'est quoi aussi. Voilà. En plus, j'ai eu des soucis avec. Ouais. Parce que je n'étais pas là. Du coup, j'ai eu les colis, enfin, un recommandé dans ma boîte aux lettres. J'ai dû aller le chercher ce matin. Et comment dire, c'était pas le bon code barre. Voilà, j'ai tout déchiré. Ça, mon amoureux chat dort. Il est en train de me regarder avec des grands yeux. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? En fait, c'est Belgique Loisirs. J'avais commandé 3 livres. Je ne sais pas si je vous les ai montrés. Je vais aller les chercher pour vous les remontrer. Du coup, j'ai pris Les Possibles de Virginie Grimaldi, une romancière française la plus lue en 2019 et 2020. Voilà. Il me tentait bien. Voilà. Je ne sais pas. Je peux vous lire le résumé si vous avez envie. Julia aime pas les surprises quand son père fantastique vient s'installer chez elle. Elle a à la suite d'un incendie de sa maison, quand les quotidiens parfaitement huiliés connaît quelques turbulence. Jean dépasse sa retraite en téléachat, écoute du rock à fond, tapisser les murs de post-it indiens, également des affaires, recherche sur son chemin. Dieu veut croire que l'origine de Jean est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évident. Il déterre face à le lendemain qui s'évapore. Elle va apprendre à découvrir l'homme sous les costumes de son père, les valeurs de Fallet et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tout est possible. Avec une humeur jubilatoire et une infusion tendresse, Virginie Grignani nous conte une magnifique histoire de transformisme et de résilité. Lisant, oh je ne sais plus, je ne suis pas bien aujourd'hui. Voilà pour le livre. Du coup, je vais vous chercher ça et ma lecture qui est toujours en cours. Je vous reviens tout de suite. Je fais pause. Comme ça, je n'ai pas besoin de couper, revenir. Je fais pause et je reviens. Voilà, j'ai téléchargé. Bon, si je les ai déjà montrés, je suis désolée, mais c'est vrai que je ne sais plus. Qui vient avec ceci de Belgique Loisirs, en fait, il fallait acheter pour un truc et j'avais un livre gratuit. Du coup, j'avais acheté celui-ci que j'avais déjà mis dans mon panier il y avait un moment. Voilà, j'avais pris celui-ci, Initation, c'est le tome 1. Je vais pas vous lire le résumé parce que je suis pas trop bien en fait. Voilà, si vous voulez, je suis réglée et j'ai très 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 mal aux ventes et. Pour le moment, tout ce que j'ai pris ne fait pas effet. Là, ça fait pas encore effet. J'ai mal. Elle est restée pliée comme ça, j'ai mal. Je suis obligée de m'allonger. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis mes coussins dans mon fauteuil. J'ai même plus le haut de mes coussins. Parce que là, il y a le haut du coussin. Mais là, il n'y en a plus. J'ai dormi dans le fauteuil cette nuit. Tellement que j'étais pas bien. Pour pas réveiller monsieur. Voilà. Poupette! Et du coup, voilà pour le deuxième livre que j'avais pris. Et le troisième, c'était un livre gratuit. Je suis trop contente de l'avoir. Le seul truc que je suis pas contente, c'est que c'est un gros pavé. Il est trop beau. Tadadou! Et j'ai peur d'abîmer le dos. Voilà. Du coup, c'est La Lune pour suivre l'intégrale de Laetitia Dana. Dana? Dana E? Je sais pas comment ça se dit.
Voilà, il est trop beau. Vous le trouvez en ces trois tomes. Il y a Embrasante, c'est tome 3, Asservie, tome 2, et Inutilité, tome 2, 1. Voilà, maintenant il faut que je cherche les tomes. Voilà. Mais il fait plus de 1600 pages. Du coup, quand vous voyez le gros bébé, voilà le dos. Il est beau le dos. Avec la couverture remise là. Est trop trop beau. Voilà. Et alors, je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est toujours depuis le vlog. La semaine passée, j'ai pas fait de vlog, mais le vlog précédent. Voilà, j'ai toujours dedans. J'ai pas beaucoup avancé. Je suis à 306 pages. Voilà, je vais essayer de le continuer. Du coup, il y aura celui-là en route et celui-ci en route. Celui-ci, il faut que je lise 100 pages aujourd'hui. Du coup, voilà pour les deux lectures en cours pour le moment que j'aimerais bien. Celui-ci est terminé au plus vite. Celui-là, on est en LC, en lecture commune, avec un groupe sur Instagram. Voilà. Et je suis toute contente. Voilà, tous mes achats, tout ce que je vous ai montré. Du coup, maintenant, c'est le bordel, il faut tout que je range. Je suis pas motivée aujourd'hui, je peux vous dire. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Tout s'est bien passé à la mer. Enfin. Plus ou moins, on a eu quelques petits trucs qui s'est passé, mais voilà, je vais pas vous expliquer trop. On a des spectacles à côté de nous, voilà, parce qu'on a été chez nos amis qui ont leur magasin d'un Poképop. Et il y avait Brocante en même temps dans la rue, et à côté de nous, il y a un petit peu le cinéma. C'était bien, bien sans bien. Voilà. Mais je suis fatiguée, pas beaucoup dormi, couché très tard, voilà. J'ai lu un petit peu au chalet, celui-ci. Je ne sais plus combien de pages que j'ai lues, mais j'ai lu quand même. Parce qu'à un moment, le samedi, je crois, ou c'est le vendredi matin. Vendredi matin, on a été plus tard, près d'eux. Et du coup, j'ai lu un petit peu sur le matin. Puis monsieur est parti faire un magasin. À Décathlon, du coup, je suis restée au chalet et j'ai continué à bouquiner. J'ai lu, je sais pas, une dizaine de pages, je pense. Après, il est rentré et on a tondu la pelouse au chalet. Et de là, après, on a rangé tout et on est parti. Et je n'ai plus lu. J'avais pris ma Kindle, j'ai lu, je crois, 2% à ma Kindle. Voilà, du coup j'ai trois livres en cours logiquement, mais ma Kindle je la compte pas trop pour le moment. Parce qu'il faudrait que je le reprends ce livre-là à fond. Voilà. Et mon chat il sait pas comment se mettre. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là. Il faudra que je regarde le montage de ce vlog. Parce que j'avais ouvert, je pense, le Sam. Le jeudi, je pense que j'avais ouvert. Ou le mercredi. Et je ne vous ai pas repris du tout, mais j'ai pris des images de la mer. Je vous les insérerai avant cette partie-ci. Vous allez voir ça. J'espère que ça vous plaira. Voilà. J'avais été au magasin aussi le. Je ne sais plus quand. Du coup, vous allez voir ça. Et voilà. Et mon truc, il n'est pas bien mis, je crois. Il faudra que j'arrange ça. J'ai remis la pop attendant aussi, mais je crois que j'ai mal remis. Mais c'est pas grave. De toute façon, la pop, je vais la retirer. Je ne sais pas où la mettre. Je voulais la mettre là. Mais là, vous voyez, entre la bougie qui est là, et ici, là, il faut laisser le trou là parce que Monsieur Woody passe. Il passe, il repasse, il passe, il repasse. Voilà. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais ranger tout ça, je vais manger et regarder mes séries que j'ai pas vues de la semaine et manger un bout. Voilà, je vais essayer de manger un bout parce que j'ai pas beaucoup mangé hier, du coup, il faut que je mange un peu quand même. Voilà, et ranger tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends demain pour vous en parler de mes lectures, si j'avance ou pas. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain.
Bonjour, monsieur Lissol, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens dans ce vlog. On est mardi, bien sûr, 10 août. Regardez qui est là, près de moi, pour faire câlin. J'étais occupée à lire parce que je suis en retard dans ma LC. Voilà, comme d'hab, ça change pas. Jamais à l'heure. Voilà, je suis dans Imi Run. Chez Addictive, de Anita Rikrik, je sais pas comment ça se prononce, avec un torse nu, ou dit laisse ta sœur. Voilà, en fait, hier, je vais lire 100 pages, je devais arriver là, hier, ici, hop, ici. Je sais pas si vous voyez, en fait, il est mon marque-page, on le voit pas, ah là, c'est vrai qu'il est. Je vais arriver là. Mais je suis que là. Voilà. Et aujourd'hui, je dois aller à la deuxième partie. Bon, je devais arriver là, hier. Et aujourd'hui, je devais arriver ici. Voilà tout ce que j'ai encore à lire aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas si je vais arriver à lire tout aujourd'hui. Mais voilà. Mais hier, j'étais très, 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 très fatiguée au soir. Du coup, j'ai lu, je crois, une vingtaine de pages. Voilà, ici je suis occupée à lire, je suis depuis midi, il est 3h30, franchement j'aime bien, j'avance tout doucement, je suis à la page 78, j'étais à la page 20 je pense, mais je lis et je fais des machines en même temps et je... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là j'ai regardé une vidéo de 20 minutes parce que en fait à la longue j'ai mal aux yeux. J'arrive pas à lire en continu. Il faut à chaque fois que je fasse une pause d'une vingtaine de minutes. Du coup, c'est pour ça que je n'avance pas des masses. Du coup, voilà. Mais j'aime bien. J'ai envie d'être. Je n'avais pas envie de le quitter celui-ci. Je sais pas pourquoi. J'aime bien l'histoire. On va suivre une jeune femme. Je ne sais plus son nom. Moi, les noms, c'est deux. Je vous le dis. Quitte à l'université. Et elle dans une comment on dit une oh comment je viens de le lire en plus une sororité vous voyez quand vous êtes dans des clans à l'université pour faire la fête tout ça elle est dans une plus calme et le deuxième personnage qu'on suit qui est Taillon je sais pas comment ça se dit il se prononce TJ enfin, ce surnom, c'est TJ, voilà, TJ. Et on va suivre ce garçon qui... enfin, au début, la jeune fille, elle a perdu sa maman et elle était très, très, très proche de son papa, mais depuis quelques années, elle est plus proche. Voilà, elle ne répond plus trop à son papa en étant... Oudi, mais je le savais, ah, excusez-moi, mais mon chat vient de taper sur l'autre. Oudi! Woody, je te vois, hein. Excusez-moi, mais j'ai dû intervenir parce que, voilà, ma mémère, elle te fait toujours tabasser par le jeune. Du coup, voilà, il faut que je gueule toujours. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, on suit la jeune fille qui a perdu sa maman et qui était très proche de son papa, mais... Voilà, elle a un petit peu coupé les ponts les années précédentes. Et en étant à l'école, enfin à l'université, elle est un peu plus reculée de lui aussi. Elle ne lui répond pas toujours à ses messages ni ses appels. Voilà. Et le garçon qu'on suit aussi a perdu son papa, lui. Voilà. Et il est, ce garçon est assez chiant, casse-pied. Dans l'université, il emmerde tout le monde, il veut toujours faire la fête, voilà. Sauf que ici, le papa de la jeune fille qu'on suit, je sais plus son nom, je suis désolée pour le nom, Rose, voilà. En plus, c'est facile, c'est Rose, va répondre à son papa et son papa veut lui parler absolument. Et du coup, il lui dit, je peux venir, on peut boire un café entre deux cours. Et elle lui répond oui et du coup, c'est ce qu'il va faire. Et il va lui annoncer, il doit lui annoncer quelque chose. Elle, sur le coup, elle a peur parce que voilà, sa maman, si j'ai bien compris, enfin, si on comprend dans l'histoire, sa maman est partie d'une maladie. Maintenant, je ne sais pas plus,
Voilà. Et du coup, elle a peur que son papa est malade, elle n'a pas envie de le perdre. C'est à comprendre. Voilà. Et en fait, il va juste lui annoncer que il a quelqu'un dans sa vie. Voilà. Et elle est contente. Elle lui dit, papa, ben, je suis contente. Si t'es heureux, je suis heureux. Voilà. C'est pas quelqu'un de méchant, Rose. C'est quelqu'un d'assez gentil qui sait prendre les choses comme il vient. Elle est pas, voilà, comme certains, ils diraient, non, papa, t'as plus avec maman, c'est fini, tu prends plus personne. Sauf qu'ici, non, pas du tout. Sauf que ça va pas tourner comme elle pense, comme elle aime pas le garçon qui l'ennuie. Elle va aller. C'est un phénomène, ce garçon. Ici, le papa lui a dit de rencontrer sa copine. Et du coup, ils se font un petit dîner prévu. Et du coup, elle va au dîner. Elle, je ne sais pas son nom. La femme de. Si il est marqué, je n'ai plus. Et il était dit, mais je ne sais plus. La femme de son papa va lui présenter, va se présenter. Et elle lui demande, vous avez des enfants? Elle lui montre une photo de son garçon qui a 7-8 ans. Et à un moment, au moment où elle veut demander si ce garçon va arriver pour elle, c'est un garçon de 7-8 ans, c'est pas mal, c'est cool, c'est bien. Et à un moment, elle veut dire à sa belle-mère, on va dire, si le garçon va participer au dîner, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans son dos. Et elle ne voit pas, mais elle reconnaît la voix. Voilà. Et pour vous, c'est qui? C'est JT, le garçon qu'elle déteste. Voilà. Ils font comme s'ils ne se connaissaient pas dans la vraie, entre papa et maman. Voilà, ils font comme ils se connaissent pas. Mais voilà, c'est pas tout rose, tout. Moi, maintenant, j'ai envie d'aller continuer. J'ai trop envie. Je suis à la page 78, au chapitre 8, mauvais souvenirs. Voilà. Et du coup, voilà. Et on apprend des choses. On va apprendre des choses, j'espère. Il paraît que c'est un tome 2. Parce que moi, je savais pas. Je suis partie dans un LC avec plein de gens de Instagram. Il faut aller me suivre sur Insta, c'est là où je suis. Enfin, pour le moment, je suis pas très active nulle part. Voilà. J'ai après un petit peu une semaine de répit, j'étais fatiguée, j'étais. Voilà, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Et voilà. Et du coup, j'ai participé à l'ALC. Et les personnes qui m'ont dit, qu'on parle ensemble de notre lecture. C'était un tome 2. L'autre c'est Roll, je crois, un truc comme ça. Je sais bien que c'est le R là, c'est Roll. Je sais plus le nom exactement. Si je n'oublie pas, je vous mettrai la photo du tome 1. Mais se lit indépendamment. Sauf qu'on retrouve les personnages du tome 1 dans le tome 2. Pour ceux qui veulent suivre, il faut lire le tome 1. Moi, j'ai pas lu le tome 1. J'ai pas de soucis jusque maintenant. Je suis à la page 78. J'ai pas de soucis. Je comprends tout. Voilà. Mais l'autre va arriver demain, logiquement. Voilà. Et du coup, je lirai après celui-ci. Voilà. Je lirai à l'envers, mais tant pis. Mais voilà. Et pour vous dire aussi, je suis toujours dans le bouquin en cours. Celui-là, il n'a pas changé. Je suis aux 306 pages. J'aimerais bien le terminer parce qu'il fait 4, ouais, 500 quelque chose. 514. Il me reste. 100 et quelque chose de page. Il faudrait bien que je le termine, voilà. Mais là, je suis en retard dans celui-là. Du coup, j'ai envie de commencer à continuer à lire celui-là. Voilà pour ça. Mes lectures en cours. J'ai commencé un DSP hier aussi. C'est ça qu'il y a. En fait, j'avais commencé le mien qui est le château de Disney avec plein de trucs dessus. Il est trop beau aussi. Mais je voulais montrer. C'est magnifique. Voilà. Pour mon amie, elle me l'a donné pour voir si je pouvais le faire. Du coup, je l'ai commencé, je l'ai bien entamé. Je sais pas si je saurais la voir parce que j'ai déposé
le truc dessus. J'essaie de la voir. Hop, voilà, je l'ai eu. Voilà comment il se présente. Et je sais pas si voilà, et tout de là, tout ça, hein, tout ça là, on voit un peu le château. Et là, j'ai commencé à le faire. On voit pas bien les coups. Enfin, avec la lumière, n'est pas trop bonne. Voilà, c'est pas le top des lumières. Voilà, avec une lumière dégueulasse, comme tout le monde dit. Mais voilà, je, pour le moment, c'est vrai que. Voilà. Mais voilà, il est petit. Du coup, il va aller se faire assez vite. Là, j'ai bien avancé. Tantôt, en regardant ma série, je vais commencer à faire tout le blanc ici au-dessus. Enfin, j'ai déjà commencé là. Voilà, je vais continuer ça tantôt en regardant ma série. Voilà. Ce soir, voilà. J'aime bien de faire ça. Ça m'occupe un petit peu. Bon, on va faire ça comme ça. Voilà, ça m'occupe un petit peu. Voilà, maintenant, il faut que je continue mes bouquins. J'aime pas avoir de lecture en cours. Je vais me perdre en route. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà pour mes lectures. Il faut vraiment que je regarde à combien de minutes je suis. De toute façon, je pense que je reprendrai demain, peut-être jeudi après-midi, et je conclurai jeudi après-midi parce que vendredi je ne suis pas là et je serai revenue début d'après-midi. Mon chat qui joue avec la ficelle, mais je pense pas commencer à faire ça. Parce que je vais jeudi, vendredi, je ne sais plus quoi. Je vais chez mon psy. Et quand je vais chez mon psy, voilà, j'ai besoin de me poser après et de remettre les idées en place. On va dire ça comme ça. Voilà. Ça travaille dans mon petit cerveau. On va dire. Voilà. Je suis dans mon fauteuil bien installé. Ça fait du bien d'être installé comme une pachate. Voilà, et j'aime un peu même agrandi que j'ai retiré les coussins de mon fauteuil. Voilà, parce que la nuit passée, j'ai très 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 mal. On voit, il est là mon coussin, j'ai très très mal dormi. Et du coup, les chats ont voulu faire dodo avec moi, mais avec les coussins, on n'a pas beaucoup de place. Du coup, je ne savais pas bouger, j'avais des crampes aux jambes. Viens, Zozo, viens, bébé. Et Zoé, viens. Et du coup, j'ai retiré les coussins pour moi avoir un peu plus de place pour me mettre. Et j'ai même plus facile pour m'installer, pour bouquiner. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Excusez-moi. Je vais vous laisser. On pense à ça. Je ne sais pas si je vous ai parlé, mais j'ai fait mes deux doses de vaccin. Tout est en or. Je suis tranquille. Hier, j'ai fait. Hier, c'était catastrophique. Après-midi. Je ne vous ai pas parlé de ça. Mon papa devait me porter l'appareil pour mettre la carte d'identité pour avoir notre passeport sanitaire. Voilà, ça a été compliqué. Pour ceux qui le fassent, il faut aller sur le site masanté.be, enfin chez nous, hein, en Belgique. Et là, vous tombez et vous avez un petit ruban bleu clair. Et là, vous lisez, il y a marqué passe sanitaire, un truc comme ça. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez plusieurs façons d'avoir le passe sanitaire. Moi, je l'ai pris sur mon téléphone. Je ne vais pas vous montrer. Je suis avec mon téléphone en train de filmer. Avec Maïs. Maïs, je crois que c'est comme ça le nom. Maïs. Du coup, je l'ai sur mon téléphone. Et pour ceux qui le veulent envoyer en papier, comme j'ai fait pour monsieur, pour ma mamie qui n'a pas un téléphone comme nous, ma tante, elle a voulu aussi le papier. Mon tonton qui n'a pas de téléphone comme nous, du coup, on a sorti les papiers, on les a remis dans les dans nos portefeuilles. Comme ça, ils les ont avec eux. Parce que ma tantine, aujourd'hui, elle allait en France et il faut absolument le pass sanitaire pour aller. Du coup, voilà. Et moi, je vais vendredi. Voilà. Voilà. Du coup, il fallait nos pass sanitaires. Je l'ai, ma mamie là. C'est ma mamie qui va venir me conduire. Voilà. Me conduire en France. Comme ça, pour une fois, elle va venir faire ses courses avec moi en France. Enfin, je sais pas, on verra bien. Du coup, voilà.
J'espère que tout se passera bien. Sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve demain ou ce soir, je sais pas. Je verrai bien. Moi, je pense que je vous retrouverai plus demain que ce soir, que monsieur va plus traîner arriver. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bye bye les amis. Bonjour mes petits messieurs, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi 11 août. Que ça passe vite, voilà. Du coup, je voulais vous revenir parce que j'ai reçu le livre que je vous parlais hier. En fait, d'abord, je lis toujours celui-là. Mais pour ceux qui veulent lire ce livre dans l'ordre, en fait, d'abord, il faut... Ça, c'est le tome 2 qui peut se lire indépendamment. Mais l'autrice dit sur ses réseaux qu'il faut mieux lire Rulel, voilà, d'Anita Rigin. Voilà, il faut lire le tome, ce tome-là avant ce tome-là, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Celui-là est pavé, c'est 500 et des pages que j'ai vu. Et 569 pages qui fait. Voilà. Il est plus gros que celui-là. Voilà pour le résumé. Il faut lire celui-là. Pour ceux qui veulent le lire dans l'ordre. Moi, j'ai toujours pas lu celui-là. Je viens de le voir. Voilà. Mais j'ai commencé par, on va dire, le tome 2 qui n'est pas un tome 2. Celui indépendamment, je le dis et je le redis parce que si vous voulez commencer par celui-là, il n'y a pas de souci. C'est juste que pour ceux qui veulent comprendre toute l'histoire, dans celui-là, enfin, dans celui-ci, on va suivre les personnages qu'on suit dans celui-là et poursuivre l'histoire un peu mieux. Voilà. Mais moi, ne pas avoir lu, oh, je m'embrouille aujourd'hui. Ne pas avoir lu l'autre livre, je comprends toute l'histoire. Voilà. Voilà. Sur ce, je suis en retard sur la LC, comme d'hab. Ça, c'était... on a commencé hier. Hier ? Non, pas hier. On est mercredi. On a commencé lundi. Lundi, on devait être à 100 pages. Le premier chapitre que j'ai passé hier. Hier, on devait être à 190 pages au 21e chapitre. Je suis pas encore là, je ne suis pas encore aux 200 pages. Et aujourd'hui, on devait arriver aux 297 pages au chapitre 30. Je ne suis toujours pas non plus. Et après, ben, c'est la fin, quoi. Voilà. Et du coup, je suis en retard sur 2 jours. Moi, j'essaie de rattraper le jour d'hier. Voilà, en fait, je vais être en retard d'un jour, logiquement, si tout se passe bien. Je ne sais pas parce que jeudi et vendredi, j'ai un doute de savoir bouquiner mon livre. Pourtant, je suis... je peux pas dire... J'aime bien. J'aime bien l'histoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas envie de lire... Enfin, de manger les pages comme j'ai fait... À part quand j'ai lu ce que j'ai lu encore. Woody descend. À chaque fois que je filme, mon chat fait des conneries. Woody, je te vois, hein. J'ai rien à foutre de ce que je dis. Pff, il me fatigue. Woody. Vous voulez pas un chat? Attendez, je reviens. Voilà, je reprends. Il arrête ses bêtises. Il faut toujours que je fasse du bruit. Plusieurs profondeurs parce que je peux crier, je peux tout faire, ils s'en foutent complètement. Voilà, du coup je disais que j'aime beaucoup ce que je lis. Il y avait longtemps que j'avais plus envie de manger autant de pages. Hier j'ai lu quand même, j'étais arrivée à 100 à 20 pages et hier je suis arrivée à que là j'ai lu quand même ce matin un peu plus, 107 pages. Yeah. Du coup, vous faites le calcul. Hier, j'étais arrivée. Enfin. Dimanche. Non. Alors, c'est l'inverse. Je me suis trompée. Enfin, oui, lundi, je devais arriver aux 100 pages et je ne l'ai pas lu, c'est ça.
On devait arriver aux 100 pages et j'ai lu 20 pages. Et hier, du coup, j'ai lu du 20 pa de la partie 20 à 20 pages jusqu'à 100. 100. Mais je dis 100. Oh, je ne sais plus. Non, ça, je l'avais lu. À 107. 107 pages. Voilà, de 20 à 100 pages, 107 pages, je pense que j'ai bien bouquiné hier. Voilà, ici j'aimerais bien essayer de rattraper. Je suis là, je suis à 146 pages et je devrais arriver. Il enfin, faut que j'arrive à 190 pages. Voilà, il me reste une. Je n'ai plus compté. On est mercredi, on a mis une journée. Vous voyez les pages qui me restent. Voilà. Sur ça, logiquement, j'ai eu un souci aussi. Je voulais monter quelques vidéos pour vous, vous les mettre sur YouTube au moins jeudi, vendredi et samedi. Et samedi, le vlog. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de place sur mon PC. Du coup, ici, j'attends monsieur. Monsieur m'a dit qu'il allait regarder. Pour que je supprime pas trop de trucs. Voilà. Du coup, on va regarder à ça. Et j'aimerais commencer le montage de ce vlog. Je pense qu'il va être long cette fois-ci. Tant pis pour vous. Je suis désolée. J'espère que vous le regarderez quand même jusqu'au bout. Mais vous inquiétez pas. Demain, je le conclue. Comme ça, vous serez pas trop long. Ce sera jusque jeudi. Vendredi, je ne sais pas ce que je fais du week-end. Peut-être que je vous reprendrai si c'est prévu. Enfin, si on fait ce qu'on a prévu, je vous reprendrai certainement samedi. Voilà, du matin justement. Parce que. Comment? Il y a une convention qui se passe près de chez la maman de Dani. Mon chéri, Dani. Voilà. Et. Du coup, on s'est dit pourquoi pas aller faire un tour, comme c'est vraiment juste à côté. Voilà, mais je ne suis pas sûre qu'on va aller. Je sais pas, on verra bien ce qu'on va faire du reste du week-end. Voilà, dimanche, logiquement, rien. Je continuerai à bouquiner. J'aimerais bien le. Il faut qu'il soit fini dimanche. Voilà, comme ça, après, je recontinue l'autre que j'ai pas, ma passion. Voilà, parce que là, je l'ai laissé tomber. Voilà. Pourtant, j'aimais bien aussi, mais je sais pas, je ne m'accrochais pas complètement. Je me suis dit, tant pis, on va laisser tomber, on va faire la laisser en premier. Je me dis, peut-être que si j'arrive à passer mes 100 pages par jour et faire l'autre, mais j'arrive pas. Je n'arrive pas à lire 100 pages, je lis 50, mais 50, 20 pages par jour. Et voilà. Mais du coup, mais il faut que j'essaie de me lire 100 pages. 100 pages par jour, ça me ferait du bien et voilà, comme ça je pourrais évoluer plus et avancer plus dans mes livres parce que voilà, j'en ai tellement plein que j'ai envie de bouquiner que voilà. Et en plus, c'est ces gros bébés, c'est toujours des gros bébés que je me prends en plus. Voilà, à part celui-ci qui fait 300, 300 et des, je veux dire 380 pages, mais il fait pas 380, il fait un peu moins, il fait 300. 75 pages, voilà. 5 pages de moins de 80, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Du coup, voilà. Mais il fait quand même gros, comme vous voyez. Mais c'est les pages addictives en grand format sont gros. Parce que celui qui est en petit format, comme celui-ci que j'ai lu, le papier est très très fin. Et très couleur bizarre, comme vous voyez. Je sais pas si vous allez voir la différence de couleur. Peut-être un petit peu. Ceux-là sont un peu plus blancs. Ceux-là sont un peu papier récupération là. Voilà. Il y a aussi le tome 2 qu'il faut que je lise, celui-là. Voilà. J'ai toujours pas rangé. J'ai toujours pas fait la photo pour Instagram. Je l'ai pas tombé. Voilà, du coup, il faudra que je fasse la photo pour que je vous mette mon point. Mais je me rappelle même plus. Bon, je vais continuer ça et sur ce, je vous laisse et j'espère que ce vlog ne sera pas encore trop long, mais j'aime bien les vlogs longs. Il y a de la matière au moins.
que ici vous allez avoir de tout. Il va avoir un petit peu de magasins. J'ai été dans des magasins Zou, les inserts avant tout ça, que vous aurez déjà vu avant que je vous parle là. Il y aura un petit peu de vacances parce que j'ai été en vacances quelques jours. Vous aurez un petit peu de nos vacances. Je ne vous ai pas pris beaucoup, mais voilà. Et puis, ben, du lundi que je vous ai repris. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain pour vous en parler plus, en espérant bien avancer dans ce bouquin. Je vous en parlerai plus en profondeur demain, je pense. J'ai déjà fait un bon résumé hier. C'est vrai que là, ça commence à se... Il y a une petite relation en train de se mettre en place. Et voilà, c'est chouette quand la petite relation de couple en train de se mettre en place, même s'ils se haient tous les deux. J'aime bien ces haines et puis cet rapprochement physique qu'il peut avoir. Voilà, c'est toujours un peu... C'est drôle quoi, parce qu'on se déteste mais on s'aime et c'est compliqué dans cette histoire. Voilà, quand ton corps te dit t'as un truc et que toi-même, ta tête dit non, voilà, c'est trop fort. J'aime bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser et en ce moment, ça va être duré trop longtemps. Et voilà, sur ce, je vous reprendrai demain. On conclura ce vlog et je vous en parlerai de plus. De ma lecture en espérant d'être bien avancée et sur ce je vous laisse, on se retrouve demain pour vous, à tout de suite, bye bye. Bonjour mon petit soeur, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est jeudi 12 août et je reviens dans ce vlog pour vous parler de mes deux lectures en cours. J'en avance pas dans celui-ci. J'ai laissé tomber pour le moment. Je suis dans celui-ci. Je suis vraiment, vraiment en retard. Je suis ici et j'aurais dû l'avoir fini aujourd'hui en fait. Voilà, il me reste deux passages à lire en fait. Voilà, je suis à la page 234 et j'aurais dû avoir fini le livre. Voilà, et il en fait 370. 3. Voilà. Il me reste une... Combien j'ai dit que j'étais? Une centaine de pages. Un peu plus, ouais. Une centaine. Un peu plus de 100. Parce que déjà, là, c'est 100 normalement. Je ne sais plus compter, mais voilà. J'aime beaucoup cette lecture, même si je n'avance pas des masses, mais je suis tout le temps dedans. Voilà. Quand j'ai une minute de temps, je bouquine. L'histoire est belle, il y a des belles histoires à retenir. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est quand même au milieu du livre, mais il y a des belles histoires. Ouais. Les personnages sont touchants, ils ont tous les deux un passé en commun, enfin commun, pas en commun. Ils ont un passé chacun de leur côté, c'est ça que je voulais dire, qui ont vécu l'enfer. Pour l'un et pour l'autre, ils ont dû apprendre à vivre avec tout ça qui n'est pas toujours facile. Voilà, mais ça, il faudra lire le bouquin pour vous. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que ça va donner la fin, mais voilà, j'ai envie de savoir ce qui va se passer à la fin de ce bouquin. Voilà, je vous saurai tout, je pense, pour le vlog précédent. Je pense essayer de le terminer aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais lire un peu aujourd'hui et beaucoup demain. Voilà, mais je pense pas lire beaucoup aujourd'hui parce qu'à 21h, il y a un film sur TF1 que je voudrais bien regarder. Je sais plus, c'est... En fait, c'est un homme et une femme et ils se... change de truc et du coup ça me tente de le regarder. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Bon, celle-là je le lirai juste après, voilà, que j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je suis bien avancée ici aussi, je ne reste plus des masses. Je suis à 306 et il fait, je regarde parce que fait 500 et des, j'ai vu faim.
511 qui fait 2 pages. Du coup, j'aimerais bien le terminer. Je suis vraiment plus très loin de tout ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous plaira. Il y aura plein de contenu que vous avez trouvé dans ce vlog. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans un prochain vlog. Bye bye tout le monde.